Bienvenue, chers amis, c'est le président Elon Touplet pour vous servir. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Tropico 4. J'ai trouvé un mix pour l'épisode précédent là. Normalement, il est sorti. Hein. Eh, mais ok, mais il a même pas. Ok, merci. Pinultimo, c'était sympa. Je disais, j'ai trouvé un mix de musique cubaine, afro-latine, comme ils disent, sur YouTube. Par contre, j'ai peur que, évidemment, je crois pas que ce soit un truc libre de droit. En tout cas, c'est sur YouTube. Donc, bon, c'est sur YouTube. Voilà. Je pense que ça devrait le faire. Je mettrai ça en fond, mais c'est exactement le même type de musique que la bande originale du jeu. Je testerai. Donc, normalement, si. Et si sur cette vidéo vous entendez à peu près les mêmes musiques, c'est que normalement je me suis pas fait flasher et que voilà, et que du coup je vais le remettre sur les prochaines vidéos, peut-être en changeant l'ordre des musiques, tout ça, ou alors je vais en prendre de la même chaîne parce que c'est une chaîne YouTube qui en propose plusieurs, donc je vais voir. Voilà, c'était juste pour vous le petit point par rapport aux musiques. En tout cas, que s'est-il passé depuis la dernière fois? Bien rien, je n'ai pas joué. Je tourne à la suite les épisodes. Le café semble pousser plutôt très bien, j'ai l'impression. On commence également à construire les premiers puits d'extraction. Parce que bon, en termes de gisements là, de minerais, j'ai de quoi faire. Vous voyez là, avec ce puits, je vais pouvoir miner dans 2 gisements d'or. Là, je vais pouvoir miner dans 2 gisements de fer et un gisement d'or. Donc autant vous dire que l'industrie de la joaillerie va nous rapporter beaucoup, beaucoup d'argent. Bah tiens, j'ai encore du fer ici, je vais pouvoir en construire des tonnes et des tonnes depuis l'extraction. Enfin bref. Et je n'ai plus un rond, super. Quand arrive le prochain cargo, il arrive. Enfin, ma grande œuvre est achevée, Presidente. Nous avons écouté la météo marine à la radio, sans doute. Sans nous endormir, et nous avons finalement découvert une toute nouvelle technologie, stabilisateur à eau. Les stations météo ne sont plus détruites par les séismes, effet secondaire, elles deviennent impossibles à détruire. Ok, parfait. J'avais construit ma petite station météo et j'avais pas fait de sismographe. On va attendre le prochain, voilà, prochain cargo. Et désastre imminent, c'est parfait, nouveau spécialiste étranger. Ah, voilà, hop, un petit sismographe. Oui, parce qu'en fait, je donnais, je crois, 1000 dollars pendant de 24 mois, quelque chose comme ça. J'avais mis un investissement standard. Présidente, voulez-vous dompter la fière nature elle-même? La météo nous dit que le volcan est sur le point d'entrer en éruption, et nos géodésiens ont un plan. Nous pouvons causer une éruption volcanique de façon organisée en minimisant les dégâts et en maximisant les profits du spectacle. Il suffit de débloquer les fonds pour l'opération. Je ne demande pas mieux que de payer pour un tel spectacle. Ah bah oui, ça va, j'ai 32 000... Parfait, ça. Ah bah voilà, plus 20 000 en plus. Ah bah non, ça c'était l'objectif, ok. La dernière éruption volcanique a mis à jour un nouveau gisement de fer. Ah oui, parfait. Nouveau désastre dans 12 mois. C'est Presidente, parfait. Vous avez bien... Nouvelle éruption. Donc ça, c'est le troisième volcan. On les a tous faits. Je disais, je vais en profiter pour acheter les plans de l'usine de joaillerie, voilà, déjà au moins 8000, et au prochain chargement, enfin au prochain cargo, je pourrais construire ma première usine de joaillerie et ma première usine de meubles aussi par la même occasion. Est-ce que ça a commencé à... Pardon, excusez-moi. Ah, va falloir que je produise de l'électricité aussi si je veux améliorer mes industries. Fourneau à sciure, pollution et tout. On discute de votre régime dans le quartier des officiers. Il fait ce qu'il peut. Ah merde, il me faut des soldats. Non, je m'en fous. On va essayer de réduire la pollution. Donc je vais peut-être prendre au sérieux les menaces de mon conseiller militaire. Enfin, c'est pas vraiment des menaces, mais il faut que je construise un ministère et une armure. Ah ouais, mais non, c'est... L'armurerie a disparu en fait, c'est vraiment remplacé par le QG du SWAT, si j'ai bien compris. On est déjà en 1972. Ok, bon, et eh ben effectivement, oui. Je vais faire une base militaire, comme ça sera fait. Je vais d'abord faire un ministère. C'est quoi? Comité du peuple. Un gouvernement communiste qui incite plus de gens à voter pour la présidente. Sinon, un gouvernement militaire qui décourage les gens de devenir rebelles.
Conseil des ministres. Un gouvernement démocratique qui donne des opportunités égales à tous les ouvriers sur l'île gagne de l'expérience 0% plus vite. Ouais, génial. Bon, allez, on va mettre ça. Un ministère. Et je ferai bien un bureau de l'immigration, un ministère des Affaires étrangères, surtout puisqu'on doit améliorer nos relations avec l'Europe, je vous le rappelle. Et puis, pas assez de généraux, oui, d'accord, mais les généraux, là, c'est QG du SWAT. Je comprends pas. On verra plus tard. Nouvelle mission. Ah, il demande des investissements encore. C'est comme la loterie, président. Parfois on gagne, mais le plus souvent on perd. Bon, je vais continuer à lui filer 1 000 $ tous les mois. Pour l'instant. Et cette éruption est assez violente, j'ai l'impression, non? Ah oui, c'est ça. Bon, laisse tomber. De toute façon, pas trop un problème. J'ai 128 habitants. Je peux quand même commencer à faire quelques petits décrets. Je peux rien faire, ouais, tant que j'ai pas de ministre. Construisez-moi ce ministère, il nous faut des ministres. On va les embaucher directement. Ok, j'en ai aucun. C'est génial. Ça va me coûter une blinde. J'ai vraiment... Ah, si. Qu'est-ce que j'ai? Correct, exceptionnel, faible, bon, mauvais. Ok, bah lui, ce sera le ministre de la Défense. Je crois que c'était un... Ah ouais, c'était un mec dans la station météo. Super. Oh! Ouh, c'est pas bon ça. On a pas mal de bidonvilles. Ça pue. Pourquoi pas nous faire des dortoirs? Annulé. Je vais faire une cage à lapin. Ça rentre pas? Ah merde. Bon, raté. Je vais faire des... C'est un peu bizarre ce que j'ai fait, mais 3 dortoirs, ça devrait quand même régler un peu la crise du logement. Voilà. Et j'ai plus de fric. J'ai pas fait attention. Bon, je crois que Sony Flower a abandonné l'idée du... Ah, le monde est en danger. Nous seuls pouvons sauver la planète. Ouais, j'en construirai un parce que je vais développer à mort l'industrie du bois et il me faudra des forêts. Assez rapidement. Presidente, une révolution a éclaté dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Ah. Plusieurs leaders soutenus par les États-Unis vont sans doute être bientôt remplacés. Mais les révolutions sont menées par des gens qu'il faut bien nommer des extrémistes. On n'aime pas les extrémistes. Allez, hop. Moins 25 relations avec le Moyen-Orient. Presidente, les Tropiciens attendent les élections de l'année prochaine. Ils veulent vous montrer tout leur amour. On va faire un petit discours pour la première élection. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Religion, divertissement, logement, quel sujet devons-nous traiter? Ah oui, divertissement, c'est une bonne idée ça, j'en parle. États-Unis, qui voulez-vous féliciter? Les États-Unis? Ah, l'Europe, ce serait... Non, je peux pas. Les militaires. Les écologistes, on s'en fout. Les militaires. Parce que c'est un petit peu tendu en ce moment. Logement adéquat, armée suffisante. Ouais. Voilà, publié. Et je vois que j'ai pas de logement ici. Je vais... maison de campagne. Tous les progrès accomplis. Ma production augmente de plus de 25% à certains endroits. Je pense que le plan quinquennal sera accompli en 4 ans. C'est le progrès en marche. Il n'y a pas assez de loisirs. Personne ne peut le nier. Néanmoins, les raisons sont évidentes. Nous savons tous que le vrai problème vient de ces écologistes. Wow, j'ai plus de thunes. Ah, le vrai problème vient de ces écologistes. Oui, j'ai aucun divertissement. Donc il faudrait peut-être un musée de l'enfance. J'ai bénéficié de votre gratitude, mes chers compañeros. Je ne suis hélas que votre humble serviteur. Et vous êtes mes maîtres, mes employeurs. C'est donc à mon tour de montrer aux militaires qui défendent Tropico
que je la suis reconnaissant. Oh putain, t'es sérieux là? Oh mais non, attends mec. Ressources exploitées, zéro gisement de fer quoi. Parmi les réformes de mon prochain mandat, je m'assurerai de l'augmentation de la taille de notre armée. Je suis dessus là. Oh putain, oh c'est la merde. C'est la loose, c'est la loose, c'est la loose. Je vous embrasse tous, surtout les femmes. Bon, une fois que ce puits d'extraction sera terminé, je détruirai celui-ci, je le mettrai au milieu pour qu'il puisse exploiter les gisements de fer, parce que là c'est la merde, là c'est la loose. J'ai 35 000, ok bon. Ah oui, 49 000. Nouvelle mission principale. La culpabilité est un outil puissant, Presidente. Par exemple, les touristes aisés peuvent se sentir coupables devant des photos exposant notre misère et nous donner de l'argent. C'est pas forcément débile. Construire une nouvelle station de télévision. Après les désastres, vous gagnerez des aides internationales supplémentaires en fonction du nombre de journalistes sur l'île. Ok, ça veut dire qu'il va falloir que je développe quand même le tourisme. Industrie, usine de meubles. On va faire une usine de meubles. Ouais. Et une usine de meubles. Je vais améliorer mes cabanes. Les arbres. Les arbres poussent deux fois plus vite. Voilà. J'ai amélioré mes cabanes de bûcherons à foison. Je vais peut-être augmenter le salaire. Ah oui, oui, j'ai pas de bûcherons là. Ça craint. Hop. Salaire de 8. Oh, j'ai 0 bûcherons. Et j'ai déjà plus de thunes. Parfait. Qu'est-ce que tu veux? 500 bœufs. Je refuse. Désolé. Y a pas assez de logements. Comment ça se passe? J'ai que 78 votes. Oh, j'espère que je vais gagner les élections. Au pire, on utilisera la fraude pour la première fois. Pour changer. Il veut des universités. Il veut. D'accord. Donc, fausse alerte. Ah, yes. Fausse alerte. Parfait. Bon, le café, comment ça se passe? Oui, pendant le discours, j'en ai profité pour construire un petit. Des maisons de campagne pour changer un petit peu. Là, c'est juste esthétique. Hein. J'aurais très bien pu faire des cages à lapins. Regardez autour de vous, président. Ouais, là, la pollution, on est d'accord. C'est sûrement horrible. Mais que veux-tu, ma chère Sunny Flower? C'est pas le moment. Oh, je suis déjà dans le négatif. Peut-être un cargo pourrait-il me sauver? Non. L'écologie. Vous avez quelques mots à nous dire, Sunny? Chers tropiciens, nous sommes tous coupables. Coupables d'agression envers la mer. Ah oui, avec un traître. Regardez parfait. Nos plages qui débordent d'ordures. Regardez toutes ces décharges sauvages. Ouais. Nous sommes les coupables. Et c'est à nous de lutter contre ce désastre. Voilà pour l'écologie. La semaine prochaine, le sujet sera les frais d'inscription à la bibliothèque. La fraude ne sera pas nécessaire. Allez, on y croit. Oui, mon ministère est fini. Et ouais, non, j'ai pas les moyens. Qu'est-ce que tu veux? 500 poissons. Pour l'instant, je peux pas accepter. Tu m'excuseras, le chinois. Je ne peux rien faire pour toi. Félicitations. J'ai remporté les élections. Et je viens de recevoir les aides. Ouais, l'URSS me donne plus rien. Le cargo va arriver. Et dès que le cargo sera là, il faut que je construise absolument. J'ai pas le choix. Hein. Une base militaire, parce que les militaires, ça commence à devenir... l'armée, c'est un problème. C'est vraiment un problème. Qu'est-ce que tu veux, toi? Le peuple veut de l'action. Apposez votre signature sur ce décret. De la nourriture pour le peuple. C'est quoi, ça, comme décret? C'était... nourriture à profusion? Non, je sais plus ce que c'était, nourriture pour le peuple. De la nourriture pour le peuple. Promulguer de la nourriture pour le peuple. Sérieux, c'est quoi ce truc? Norme de... Festival... Je le trouve pas, là, de la nourriture... C'est celui-là, la nourriture à profusion? Je suis pas sûr que ce soit ça, mais on va quand même essayer. De toute façon, je vois absolument rien d'autre qui... On va tester ça. Ouais, c'était ça. Nourriture à profusion. Bon, ça a doublé la consommation de nourriture. J'ai une ferme à poissons. Ouais, yes. La thune est rentrée. Et j'ai 14 nouveaux migrants. Ouh là là, il va falloir plus de logements. Comme je l'avais dit, une base militaire, sans plus tarder. C'est obligatoire. On va la construire juste à côté des docks.
comment ça se passe au niveau de la main d'œuvre? Oh oui, purée, ils ont du chemin à faire hein, pour aller dans les champs là-bas. C'est compliqué. Oh, et 42 000, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah, je suis dégoûté pour ce truc. Un gisement d'or, alors qu'il y a deux gisements de fer là, tu vois. Il aurait pu puiser comme un gros cochon les gisements de fer. Et non. Donc une fois que ça se sera terminé, comme je l'ai dit, on verra celle-là, on repositionnera. Oh, ça craint. Ça craint du boudin. Ah, il y a un gisement de fer juste là. Ah, et parfait, ils vont pouvoir terminer mon usine de meubles. Et je vais commencer à me faire de l'argent, justement, avec ça. La culpabilité est un outil puissant. Ouais, je ferai bientôt ça. Vénérable dirigeant. Je refuse. Bon, je suis obligé de... J'ai pas assez de... Ah, je peux au moins embaucher un ministre de l'éducation. Exceptionnel, faible, bon, famille d'étitude. Exceptionnel, mauvais, inexistant. Putain, ils sont nuls. Elle. Affaires étrangères, 3000. Bon, ministre de l'intelligence. Bah, ministre de l'intérieur, voilà. Ce sera toi, parce que j'ai pas les moyens non plus d'acheter 40 ministres. Ça devrait largement suffire. Bon. Je vois que le. Ouais, les petites cabanes. Enfin, le nombre de cabanes a baissé. Là, c'est toujours pas trop ça. Gisement d'or. Et mine de rien, ouais, ça me fait quand même de l'argent, les gisements d'or. Allez, on va accélérer le temps. J'ai pas d'employé pour mon usine de meubles. Ah, si, au moins j'en ai un. Peut-être plus. Il faudrait éventuellement augmenter les salaires à 13. Voilà, 52 qualités de travail, je pense que c'est honorable. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ma grande œuvre est achevée, Presidente. Ah oui, c'est vrai, je lui filais de l'argent. Bureaucratie automatisée, la construction des bâtiments gouvernementaux est 20% moins cher. Ah oui, j'ai oublié le logement. Le logement, qu'est-ce que j'ai, le divertissement. Faut que je me fasse un musée de l'enfance rapidos. Et on va faire un petit pub également. Voilà, parce que, non, c'est... Et oui, ils ont pas de logement, les gus. Si on va voir dans l'almanach, satisfaction générale, je suis à 43%, c'est la loose. Divertissement, c'est la loose. Importance de la foi, c'est la loose. Qualité de logement, c'est la loose. Et système de santé, c'est un peu la loose. Et environnement, n'en parlons pas. Ma petite ferme de maïs, elle risque d'avoir quelques petits problèmes. Ouais, il y a la ferme à poids. Présidente, vous avez bien écouté pendant les... Nouvelle éruption. On a l'habitude. Alors, qu'est-ce que tu veux, toi? Ah, tu me redemandes des investissements. C'est comme la loterie, Presidente. Parfois, on gagne. Je vais continuer de te filer 1000. Parce que pour l'instant, je ne peux faire que ça. Combien ça coûte une université? 12 000. Et il en veut 2. C'est problématique. Est-ce que je pourrais éventuellement faire une industrie? Ouais, une usine de joaillerie. Ici. Parce que l'or, j'aimerais bien l'utiliser. Ouais, pour en faire des bijoux et vraiment me faire beaucoup plus d'argent. Qu'est-ce que tu veux? Une cathédrale. Tu veux une cathédrale, l'ami? Oui. Une cathédrale. Sauf que la cathédrale, ça coûte une blinde. Ça coûte 20 000. Donc, non. Et j'ai pas de centre commercial pour commencer cette game. Enfin, cette partie. Pardon, comment je parle, moi? Centre commercial, non, c'est pas ça qu'il me fallait, c'était plutôt ça, ouais, un supermarché, pardon. Et ouais, forcément, nourriture normale. J'en ai pas. On va le construire derrière la station météo. Ah, mais je peux pas parce que le sol est pas droit. Voilà. Comme ça, la nourriture pourra être distribuée plus simplement. Construire un complexe sportif. C'est horrible. Les Anglais arrivent par la mer et par les terres. Ok, un certain nombre de jeunes musiciens anglais ont envahi les États-Unis, provoquant la panique et l'hystérie, surtout chez les femmes. Même l'église considère ces anglais comme des agitateurs mal peignés. Le danger est bien réel, mais il est impossible de faire des profits en invitant l'un de ces groupes sur notre île. Ok.
Alors là, il me demande de faire plein de choses, mais mon économie n'est toujours pas stable. Donc, je peux rien faire pour l'instant. Voilà, mon usine de meubles, certes, va commencer à produire. Ici, voilà, j'ai mes camps de bûcherons. Là, j'ai ma scierie. Bon, c'est trop juste. Il faudrait que je construise au moins deux autres cabanes de bûcherons. Le café, par contre, ça rapporte bien. Il faudrait que je fasse plus de plantations. Il faudrait que j'aménage un peu mieux que ça. Ici, je casserai sûrement les routes et je réaménagerai tout ça. Ils m'ont toujours pas fini. Le moral des hommes est bas. Ah ouais, j'ai rien. 3000. C'est abusé. C'est n'importe nawak. Est-ce que au moins ils se manient à faire quelque chose? Ah bah ils ont terminé le puits d'extraction. Parfait. Et là, par contre, deux gisements d'or, merci. Oh, ça, c'est vraiment con, j'aurais dû faire au moins deux gisements de fer, fais chier. Est-ce que j'ai embauché un militaire? On va, s'il vous plaît, au moins un. Un général. Désastre imminent. Oh, voilà, là j'ai l'argent, donc je vais en profiter tout de suite. Je vais embaucher les trois généraux. Une éruption. C'est marrant parce que toutes les éruptions qu'il y a eu depuis le début n'ont causé absolument aucun dégât. Pour l'instant, je suis chanceux. Et j'ai un nouveau gisement de fer. Donc ça, il faudrait que je... Va falloir bientôt commencer à produire de l'énergie pour faire des bâtiments modernes. C'est 4. Je vais demander la construction d'une nouvelle cage à lapin. Pourquoi pas d'une nouvelle ferme à poissons. Ouais, je vais construire une. Ah, j'ai les fermes bio, j'ai les fermes à poissons. Au moins deux, comme ça, j'ai une production de nourriture un peu plus stable. D'après les derniers sondages, la popularité du président est en chute libre. Ah merde. Les gens disent que les... Et maintenant, un peu de musique. Mais, je n'ai pas vu les actualités. Ah merde. J'ai des bâtiments en feu. C'est pas bon. Allez les pompiers, à vous de jouer. 5 bâtiments ont pris feu. Sauver au moins ça là, au moins les industries là, la maison de campagne on s'en fout. Oui, il y a une crise de commandant. J'ai commandé des généraux, ne t'en fais pas, ils arriveront au prochain cargo. Donc oui, s'il vous plaît. Sauvez-moi ça. Vite. Les pompiers, qu'est-ce que vous foutez? Pourquoi j'ai plus de pompiers d'un coup? Il me faut des pompiers là. La Syrie est sauvée. Et... Ouais, parfait. Et je viens de recevoir un nouveau chargement. Enfin, nouvelle exportation. Donc, des pépettes. Et là, c'est toujours la loose au niveau du logement. Bon, parfait. Je vais me faire un quartier. Donc, j'aimerais bien un truc un peu plus symétrique cette fois. C'est dur de faire des choses symétriques dans Tropico. Ça aurait pu faire un... Voilà, 3 cages à lapins ici. Ça devrait régler le problème des logements. J'avais mis quoi? Un pub ici au niveau du divertissement. Et un musée de l'enfance. Plus le centre commercial. Et je vais... Ah, je vais en profiter. Une université, tiens. Je vais prolonger les routes. Là. Là, on va peut-être faire un joli virage. Peut-être favoriser le tourisme plus tard, parce que j'ai une belle plage de ce côté-là. Si jamais je la pourris pas trop, ça pourrait le faire. Je vais construire une université juste là. La première université. Parfait.
L'usine de joaillerie est prête. Je peux installer des lucarnes, obtenir de l'expérience. Oh, bah, guilde des joailliers, c'est plus 5000, mais c'est très important. Et je n'ai pas d'énergie. Donc, pour l'énergie, je vais partir. Ah, une centrale solaire. Ah, ouais, nickel. Je vais partir sur une centrale solaire. La centrale solaire, il faut que je la place à un endroit. Là. Oh, là, c'est une bonne idée. Pourquoi je ne peux pas la construire? Oh non. T'es sérieux là? Et à tous les coups. Ah non, c'est trop grand. Ah, là, je peux la construire par contre. Non? Ici, je peux la construire. Une belle centrale solaire à 15 000 $ pour produire mon énergie. Propre, bien sûr. Bon, j'ai 3 généraux, c'est parfait. Du coup, les types peuvent... Non, s'il y a que eux, comme locataire, attends. Ulrich Kellerman? Ah oui, je suis con. La base militaire, c'est juste pour le loger. Donc moi, ce qu'il me faut, c'est... Eh oui, c'est des corps de garde. Je veux au moins faire 2 corps de garde dans le centre-ville. Histoire d'avoir un peu plus de soldats. Oui, on discute. Je sais, menace de coup d'état, t'inquiète pas. J'ai prévu le coup, je viens de commander 2 corps de garde. Tu devrais être satisfait. Et en plus, il y a des rebelles. Criminalité a baissé. Va pas falloir que je fasse trop le con ici. Alors qu'est-ce que tu veux? Une nouvelle station. C'est une bonne idée, une station de télévision. Et ça coûte très cher. Donc on va attendre un peu et j'ai plus de fric. Je vais passer dans le négatif. Ah bah non, parfait. Je crois que je viens de recevoir des aides. Ah non, c'est un cargo. Un nouveau cargo. Par contre, il... Pas très... Qu'est-ce qui se passe là? Ah, j'ai plus d'or. Non. Après avoir fait un discours sur l'amélioration de la sécurité à Tropico, qui a failli tuer d'ennui les invités, notre ministre de l'Intérieur a été détroussé en rentrant chez lui. Bon bah il faut que je licencie ce ministre incompétent, voyez-vous, et que j'en embauche un autre. Bah on va embaucher lui parce que j'ai pas non plus Rome épicé. Non, désolé. Plus tard peut-être, mais pour l'instant, enfin, c'est pas la priorité. Ma grande œuvre est achevée, Presidente. Ah, colle magique. Les centrales électriques ne sont plus détruites par les séismes. Effet secondaire. Ok, bon. De toute façon, je n'ai pas de centrale électrique, enfin, à part la centrale solaire. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de ressources, pourtant il y a encore de l'or ici. Les sismologues qui travaillent à la station météo prédisent un séisme dans les mois qui viennent. Ah, il y a un plan pour faire sauter des charges souterraines afin de déclencher un petit tremblement de terre contrôlé. C'est très scientifique. Je suis pour à fond. J'adore les explosions. Bon, pour 1500. Ah oui, j'avais plus de thunes. Et j'ai rien produit ici. Ah bah voilà, bah, première exportation. Attends, j'arrive au bon moment. Bah ça, si ça continue pas de produire, je le déplacerai. Parfait. Bah je vais en profiter bientôt là. Je vais le décaler, ouais. Pour l'instant, il y a encore de l'or. Une fois que l'or sera terminé. Enfin, le gisement d'or sera terminé. Est-ce que mon usine de meubles fonctionne? Ah, séisme. Normalement, c'est un petit séisme contrôlé. Donc, il devrait pas trop y avoir de dégâts. Le séisme est terminé, Presidente. Évidemment. Bon, bah voilà. Bon, bah tant pis. Vous pouvez... Est-ce que je le reconstruis ou est-ce que je le détruis? Bon bah je l'ai détruit. Je vais le replacer convenablement cette fois-ci. Infrastructure. Non c'était... Ouais plus d'extraction. On va plutôt le mettre. Je vais détruire la route parce qu'elle gêne. Hop. Alors je vais pouvoir le placer correctement. Gisement de... Est-ce que comme ça va marcher? Qu'est-ce on a que besoin de vrais bâtiments de santé publique. Effectivement. Je vais construire un... Ah, une fois qu'ils auront fini ma centrale solaire, je vais installer des hôpitaux. Voilà. Ah, faut que je fasse des bourses et des banques aussi. Oh, c'est trop bien. Ça. Oh, bureau des douanes. Bureau des douanes. Très, très, très important à faire. Je le fais généralement à côté des docks. Stimuler les exportations, c'est ce qui m'intéresse le plus. Pour se faire beaucoup de blé. Dans le gouvernement, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ministère des Affaires étrangères, bureau de l'émigration.
ouvrier qualifié, ouvert, porte ouverte, moi aussi c'est ce que je vois en général, augmente l'immigration en fonction des compétences des ouvriers, les citoyens mécontents qui l'aient en premier. Attire davantage d'immigrants. Ah ouais, en fait ça peut être pas mal, aimer l'île ou quitter là, parce que bon, si jamais vous avez un niveau de satisfaction relativement faible, bah, les gens qui sont mécontents peuvent se tirer en fait. Du coup ça, juste ce taux de satisfaction. Utilise davantage des migrants diplômés du lycée ou de l'université. Ouvrier qualifié, ouais, c'est peut-être le faire porte ouverte. On va faire porte ouverte. Ok, ensuite un ministère des Affaires étrangères. Ça, j'avoue que j'en ai jamais fait. Mais je vais pouvoir. Je vais essayer d'en faire un. Pro-USA, pro-URSS. On va rester neutre là-dessus, je pense. Est-ce que tu veux pas? Tu veux pas me faire une route droite? Voilà. Un joli ministère des Affaires étrangères. Politique neutre. Améliore les relations. Ouais. Je pense que neutre. Et encore des gisements de fer à jour. C'est parfait. Bon. On augmente les salaires à 10. Est-ce que j'ai commencé à faire des... Ouais, quand même. C'est de rien. Oh, j'ai pas assez de spécialistes. Bon, l'hôpital va faire du bien, je pense. Une fois que la centrale électrique est prête. L'URSS me file que dalle. Oh, et en plus, j'importe des produits. C'est fantastique. Et on est déjà à 31 minutes. Oh les gars, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Parce que ça fait un petit moment. Hello, vieille branche. Nos gens apprécient vos marchandises. Ah oui, j'aimerais bien, ouais. Attends. C'est où déjà le centre d'horticulture à chaque fois je... Ah, c'est ça. Oui. On va en faire un centre d'horticulture et on va le caler juste là. Voilà. Comme ça, elle sera contente et ça va lui mirer une place. L'université... ah oui, lui, il veut que je lui file des investissements. On va lui filer gros investissements, comme ça, ça durera moins longtemps. Et j'aurai une technologie gratuite plus rapidement. Bon, en tout cas, les amis, on va s'arrêter là. Ça fait déjà 32 minutes. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. On avance petit à petit, petit à petit. Ouais, cette mission risque d'être assez longue, je pense. Alors, en tout cas, n'hésitez pas à lâcher plein de commentaires, comme d'habitude. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de notre aventure sur Tropico. Allez, ciao, ciao!